court métrage, ça peut être très court, hein. ça peut être 3 minutes, quoi. Donc 22 minutes, ça commence à faire quand même pour un court. Voilà. Et puis, je sais pas ce que je voulais que je vous dise. Pour la présentation du film, enfin, on aurait surtout voulu savoir aussi, qu'est-ce qui a poussé à faire ça. Alors, d'abord, ce qui pousse à faire les films, c'est d'abord envie. Ce film en particulier. Oui, mais je te dis en général. Et donc celui-là aussi. Oui. C'est-à-dire que, en général, moi, ce qui me pousse, c'est que j'ai envie de parler de sujets. Et donc, après, on définit des formes esthétiques, tout un tas de choses. Mais en tout cas, pour celui-là, je voulais parler de l'euthanasie avant tout. C'est un sujet qui m'intéresse et je voulais qu'on aille un peu plus loin. Sur Enter the Unknown Time, il y a le parallèle avec la naissance du temps, parce que dans l'euthanasie, il y a la mort et la naissance du temps, c'est-à-dire avant la création de la matière, il y a la mort parce qu'il n'y a rien. Voilà. Grosso modo, pour l'instant en tout cas, dans l'état des choses des découvertes. Donc, bon, c'est le parallèle entre les deux. C'est pour parler de la mort, d'une certaine façon, avec la naissance du temps, avant la matière, avant l'énergie. Et puis l'euthanasie, qui nous ramène quand même à quelque chose de beaucoup plus charnel, d'actuel. Voilà, ça a l'air d'être deux sujets éloignés, mais ce qui rapproche en fait ces deux sujets, c'est quand même le rien. Voilà. Parce que quand, par exemple, quelqu'un décide d'en finir avec sa vie, c'est pour aller vers du rien. Donc, voilà. Vous pensez donc qu'il n'y a rien après la mort? Je fais partie de ceux-là, en fait. Ouais. Je fais partie de ces cartésiens-là. Et d'ailleurs, par rapport à la mort, pourquoi vous avez choisi de représenter la mort par un homme maquillé habillé en noir? C'est lugubre. Ouais. Si tu étais une de mes élèves, je te dirais, je te donne 2 secondes pour me donner la réponse. La mort, graphiquement, elle te rappelle quelque chose ou pas? Il n'y a pas de visage. Ouais. Bon, alors en fait, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil au film de Bergman qui s'appelle Le Septième Sceau. D'accord. Donc la mort, elle est représentée comme ça. Et dans ce film-là, elle fait une partie d'échec avec le chevalier. Voilà. Et donc, ma mort, c'est un clin d'œil à la mort du Septième Sceau de Bergman. Voilà. Ça, comment dire, ça se rapproche pas, je veux dire, ça se rapproche qu'à ça, ça se rapproche pas du fait que parfois, il y a des gens qui trouvent que la mort, c'est assez menaçant, c'est effrayant. Et est-ce que c'est votre point de vue, pardon, ou pas? C'est-à-dire que... Ou est-ce que c'était vraiment juste un clin d'œil? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu personnifies la mort, effectivement, tu peux lui donner une certaine volonté. Ce qu'elle n'a pas. Alors effectivement, c'est peut-être bizarre. Effectivement, je suis d'accord. Et d'un autre côté, dans Enter the Unknown Time, elle ne dit pas grand-chose. Elle hausse les sourcils de temps en temps, mais elle dit pas grand-chose. Hein. Oui, mais elle fait beaucoup quand même. Elle danse, elle rôde. Oui, c'est vrai, mais bon, d'un autre côté, c'est un petit côté poétique comme ça. Je sais pas s'il y a réellement un sens, la valse de la mort à la fin, la dernière valse, avant de partir. C'est d'ailleurs une image qui est assez récurrente, on danse avec la mort, on voit souvent cette image, et pourquoi du coup avoir voulu... Je sais pas. Alors, tu sais, dans la création, il y a des fois des choses qui sont très, très réfléchies, puis des fois des choses qui sont moins réfléchies. Des choses qui sont décidées presque parce que tu as envie de les faire, ou parce que ça te paraît une bonne idée, puis tu sais pas trop. Voilà, je fais partie de ça aussi, c'est-à-dire des gens qui préparent très clairement certaines choses et puis d'autres qui sont un peu moins préparées peut-être. Voilà. Alors un peu moins préparées, mais d'autre côté, elles arrivent quand même.
Elles sont là pour dire des choses, c'est sûr. Mais bon, il y en a un autre qui fait ça, hein, c'est David Lynch. Hein. David Lynch balance des choses à l'écran et lui-même ne les explique pas. Mais il dit, ça va donner une ambiance, les gens le comprendront un peu de cette façon-là, ils ne comprendront pas, mais ça participera au mystère, etc. Donc si tu veux, il y a des choses comme ça qu'on met, on n'explique pas tout des fois. Moi, vous aviez dit que vous étiez quelqu'un de très cartésien, justement, donc ça, on le voit bien dans la toute première partie du film, avec justement le scientifique, très cartésien, ça, mais tout le reste, c'est quand même très poétique. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi il y a une rupture si brutale entre le début du film et la suite? Un côté vraiment... pourquoi avoir choisi d'expliquer l'espace-temps, le non-temps, par un truc très, très cartésien, et après, quelque chose de très poétique, en fait? Oui, tout à fait. Bah, écoute, je te dirais que... c'est un peu la différence avec ma vision du monde, c'est-à-dire pour moi tout est mécanique. Tout est mécanique et à un moment donné, la mécanique arrive dans une telle complexité que l'humain arrive avec son cerveau super complexe et crée quelque chose de tellement tellement complexe que notre façon de percevoir ça, ça va être un peu l'incompréhensible. C'est-à-dire que même si c'est très cartésien, on arrive à une telle complexité qu'à un moment donné, comme on ne comprend plus rien, ça devient poétique. D'accord. Voilà. Alors, si tu veux, moi, dans ma façon d'expliquer les choses, il y a un peu de ce côté un peu magique. Et puis, c'est vrai que j'insiste quand même pour dire, mais derrière la magie, il y a autre chose que de la magie, c'est-à-dire de la mécanique. Pourquoi est-ce que, pour vous, votre film, est-ce que vous le trouvez vraiment accessible, ou est-ce que votre but, c'était de, comment dire, que les gens y réfléchissent là-dessus? C'est un de mes soucis. C'est-à-dire que... Comme je disais tout à l'heure, j'ai un but de pédagogie. Et donc, j'aimerais bien parler de sujets complexes et j'aimerais bien arriver à vulgariser cette complexité de manière à être compris par le plus grand nombre. C'est pas toujours facile. Et puis, quelque part, plus on vulgarise, plus on s'éloigne de la complexité parce que plus on a l'air de dire « c'est simple ». Alors qu'en fait, c'est compliqué et qu'il faut apprendre à gérer cette complexité. Voilà. C'est pas facile de parler de sujets complexes d'une façon simple. J'espère y arriver un jour quand je serai grand. vous dites que vous voulez être pédagogue, mais en même temps, le film est pas... Et justement, garde un peu... Il y a quand même cet aspect complexe qu'on retrouve derrière toutes ces théories. Donc est-ce que justement, vous n'avez pas envie de tomber là-dedans, en fait, justement? Si on parle de la première partie, il y a quand même une vulgarisation. Oui, ça, franchement, c'est pas même si c'est assez bien dit, parce que bon, je trouve qu'il se débrouille quand même pas mal. Mais bon, on n'est pas non plus dans des équations. Non, pas du tout. Donc, si tu veux, on cherche à se faire comprendre de gens qui n'ont pas forcément tous les codes. Donc on essaye. Je trouve que, d'ailleurs, dans cette première partie-là, il y arrive plutôt bien. Bon, après, l'autre partie du film qui concerne un peu bon, la partie un peu poétique, peut-être qu'elle est un peu complexe, ouais. Ouais. Et peut-être que j'y arrive pas. Enfin, peut-être que plein de gens vont se dire, mais de quoi parle-t-il? Effectivement. Mais après c'est aussi la forme que j'ai choisie, c'est-à-dire cette forme qui fonctionne par image en analogie, bon, qui n'est pas très très utilisée. Je veux dire, maintenant, la plupart des films qu'on voit n'utilisent pas du tout ces méthodes-là. Donc là aussi, c'est un peu de la pédagogie, quoi, de dire
je parle de ça, puis je montre ça. Faites le rapport. Bon, quelque part, il y a un petit côté, il y a un petit côté court là-dedans. Mais bon. Donc en fait, le fait de mettre des images qui sont en parallèle avec la parole, c'est votre pédagogie qui parle là, en fait, c'est oui. ça. En fait, oui. D'accord. Ouais. Okay. Enfin, j'essaye. Okay. T'as pas trouvé? Bah non. Après, on se posait la question justement pourquoi est-ce qu'il y a ces images. Et ouais. Bon voilà. Et est-ce que vous avez donné une réponse? Comment? Et vous avez donné une réponse parce que vous vous êtes posé la question. Donc. Oui. Qu'est-ce qu'on s'était dit déjà? Oui, non, c'est qu'on trouvait que c'était que ça expliquait. Et donc on se disait pourquoi il veut expliquer par l'image et par la parole, alors qu'il pourrait ne pas l'expliquer vu que c'est dit. Oui. Et c'est pour ça qu'on se posait la question pourquoi vous. Ah, c'est pas. Non, non, ça appuie. Ça appuie. C'est pas la même chose non plus. Mais ça appuie. Ça appuie. Si par exemple, à un moment donné, le texte dit que la petite fille est tombée de l'arbre, par exemple, effectivement, je montre l'arbre. Mmh. Et bon, je veux dire, n'importe quel film, on aurait vu la petite fille sur l'arbre et puis la petite fille se casser la figure. Donc on aurait montré l'arbre de toute façon. Donc si tu veux, elle étant dans un studio en train de parler, enfin elle est morte, enfin elle est dans le coma, mais bon. Si tu veux, montrer l'arbre, c'est montrer la scène. C'est pas plus que ça, tu vois. C'est ça. Ça fait pas. Enfin, pour moi, ça fait pas plus doublon que ça. Tu vois. D'autant que moi, ça me permet à un moment donné de mettre cette teinte rouge sur l'arme pour montrer l'accident. Oui. Voilà. Oui. Alors après, on peut penser que ça fait doublon, mais bon. D'ailleurs, pourquoi un accident avec un arbre? On se demandait, est-ce que c'est au hasard parce qu'il fallait un accident pour qu'elle soit dans le coma ou est-ce que c'est. Ouais. Alors donc là tu rentres dans la complexité du scénario. Voilà. Si j'avais mon pote à côté, tu vois, il te dirait oui, ça c'est en référence à. Et donc ça, je m'arrête là. D'accord. Et pourquoi une partie en anglais et une partie en français? But why? C'est tout simplement parce que j'ai envie de vendre mes films à l'étranger. D'accord. D'accord. Et en fait, la partie en français, elle n'est là que pour être le sous-titrage du film en anglais. Alors après, c'est disposé ici ou là, ça c'est une question d'esthétique simplement, c'est pas plus important que ça. Mais le film que j'ai montré à New York il n'y a pas longtemps, je l'ai montré sans sous-titrage français. Donc il n'y avait pas les textes qui apparaissaient comme ça à l'écran. Il n'y avait que la voix de la jeune femme. Et d'ailleurs les acteurs, ils sont de quelle nationalité? French. Ouais, mais alors par contre, Alison, elle est prof d'anglais français. Elle a enseigné en Angleterre à Oxford ou à Brighton. Mais elle n'a pas d'origine. Mais elle est française. Elle est française. Elle a des origines anglophones. Oui, oui, à fond. Ah merci, on entend. Ouais. Brillante. But French. Et sinon, pour la musique, pourquoi avoir, c'est sur le thème de la mort, avoir une musique si oppressante, si répétitive, et je la trouve assez calme au départ, et au moment où elle danse avec la mort, elle est très très saccadée, est-ce que ça reste quand même le dernier combat, ça... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur, ça fait partie des choses que je ne m'explique pas. D'accord. Non, c'est des choses que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis des fois je m'explique pas tout, c'est ce que je disais tout à l'heure et je m'en fiche. Donc ça aurait pu être autre chose. Moi j'ai un rapport avec l'idéal très très distant. Voilà. Donc si tu veux, tu me donnes le film à remonter, et ben je fais un autre film. Voilà. Donc c'est pas plus important que ça. Ça aurait pu être une autre musique, c'est celle-là. Voilà. Mais cette musique, elle apporte quand même une ambiance vraiment particulière qu'on n'aurait pas apporté les autres. Enfin, il y a quand même. Oui, tout à fait. Non, mais après, je voulais cette ambiance oppressante, c'est sûr. Ça me paraissait la meilleure chose au moment où je l'ai fait. Ça pourrait être moins oppressant. Ou encore plus.
Mais comme vous dites, si vous remontiez le film, il y aurait quand même une musique qui aurait quand même globalement un thème oppressant. Ou pas. Ou pas, vous nous ferez un petit ding-ding. Non, mais je vous dis, ça, bon, non, mais voilà, ou pas, quoi. Je veux dire, après, bon... Et comment tu choisis les musiques, justement? Bah, c'est-à-dire que là, comme c'est moi qui l'ai fait, c'était facile, voilà. Mais autrement, quand je travaille avec, sur d'autres films avec des compositeurs, là, on parle beaucoup et puis je leur dis ce que j'ai en tête et puis ils me proposent des choses, quoi. Donc après, ça se passe différemment. Là, c'est moi qui me suis orienté tout seul vers ça, vers quelque chose d'assez, avec beaucoup de bruitage. Quelque chose d'assez lourd. Effectivement. Pourquoi cette lourdeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais d'un autre côté, bon, je laisse le soin aux autres d'expliquer aussi mon film. Et puis, bon, là, c'est mon côté, grosse influence Lynch, c'est que les choses... C'est-à-dire que l'art se situe, pour moi, entre la personne qui regarde et puis ce qui est proposé. Et dans ce qui est proposé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la nature, ça peut être une œuvre. Une œuvre d'art, un film ou n'importe quoi. Et si tu veux, quand je dis c'est au milieu, c'est parce qu'en fait, c'est la possibilité de percevoir, d'appréhender quelque chose. Et dans cette possibilité, il y a les capacités à appréhender. Alors, en fonction de chacun, eh ben, on a un art différent. Donc, si tu veux, même si moi, je veux... C'est pour ça que je te dis que je prends mes distances avec l'idéal. C'est que même si j'ai quelque chose de super précis en tête et que je veux faire passer quelque chose, il n'empêche quand même que tous les gens qui vont appréhender cette œuvre le comprendront par rapport à leur possibilité à comprendre les choses. Donc, si tu veux, de toute façon, l'art va... Tu vois, cette matière qu'on appelle art va changer en fonction des individus. Donc, même si j'essaie d'être super, 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 super précis, de toute façon, je serai compris différemment en fonction des individus, tu vois, et de leur possibilité à comprendre. Donc, je m'embête pas trop. Oui, mais en même temps, le début du film que vous avez fait vous aide à orienter un peu le... Non, mais je sais. Mon rôle, c'est d'orienter, c'est d'essayer d'eux, mais bon, voilà. En moi-même, je sais très bien l'état des choses, tu vois. Donc, c'est peut-être l'objectif aussi d'avoir de faire en sorte que le public aura une perception différente selon le vécu des personnes. Est-ce que c'est volontaire de votre part ou c'est vraiment... Bah, c'est-à-dire que oui, mais c'est incontrôlable. Bah oui. Donc je m'y intéresse pas, tu vois. Maintenant, moi, j'ai des réalisateurs en tête que j'admire, si tu veux, parce qu'ils réussissent à faire passer des sujets complexes pour un grand public. Mm-hmm. Bon, c'est voilà. Des gens comme Kubrick, par exemple, font passer des sujets complexes et sont accessibles pour le plus grand nombre. Mm-hmm. Et j'admire ça. Je tends à ça. En fait, moi, je fais du cinéma depuis à peu près 10 ans et je travaille toujours avec un écrivain qui s'appelle Guy Autrette, qui est un philosophe de formation, avec qui je m'entends très très bien parce qu'on a les mêmes sujets, on a les mêmes horizons, on sait vers quoi on veut aller. Mais si moi, en tant que réalisateur, bon, même si je suis un peu un raconteur d'histoire, moi, si j'ai voulu travailler avec quelqu'un comme Guy, c'est parce que je voulais plus de complexité. Pourquoi avoir choisi cet endroit pour tourner votre film? Bah, c'est simple, il y a très très peu de studios à Nantes, malheureusement. Voilà, des studios cinéma, il n'y en a, pas, si tu veux. Donc ça, c'est pas un studio cinéma, hein, mais c'est quand même un endroit qui est assez vaste, coupé du son... avec quand même des facilités, des toilettes, une cuisine, etc. Et bah mine de rien, c'est important. Hein. Donc, bon, voilà, quoi. Alors, pourquoi ici? Bah, parce qu'il n'y a pas grand-chose ailleurs, quoi. Voilà, malheureusement. J'ai vu que dans votre film, la nature prenait une place vraiment très importante. Mm. Donc, du coup, j'aurais pu imaginer que l'âme
de la dame aurait pu, on aurait pu l'avoir dehors ou quelque chose comme ça, et finalement non. Donc. Ouais. Bah, c'est-à-dire que y a une scène qu'on a tournée à la plage avec la petite fille. Ouais. On la voit pas, la petite fille, parce qu'on voit, on voit que les bras, ouais, etc. Mais si tu veux, j'aurais pu, hein. J'aurais pu. Je l'ai pas fait. Parce que cette femme, en fait, j'ai voulu la situer dans cette boîte noire. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai tourné dans un décor noir avec rien autour. Bah, si j'avais pu avoir un espace encore plus grand avec simplement cette source lumineuse au-dessus du lit, tu vois, c'est un peu ce que j'ai essayé d'obtenir, c'est ce que j'aurais fait, parce qu'elle est enfermée, si tu veux, dans son corps, mais dans cette boîte noire aussi, quoi. Alors, effectivement, j'aurais très bien pu la mettre, à gambader la nature, mais si tu veux, la montrer elle, ouais, c'était pas non plus si judicieux que ça, parce que la montrer elle, elle a jamais connu ça. Elle est dans le coma depuis qu'elle est petite fille. Mmh. Donc la montrer elle, adulte, gambadant dans la nature, c'est quelque chose qu'elle ne peut même pas imaginer, tu vois, quelque part. C'est pour ça que quand à la fin du film, il y a la petite fille qui se parle en fait à elle-même avec ce jeu de poupée, je veux dire, elle se dit « on aurait pu être ». Mais quelque part, cette femme qui parle dans le film, elle n'existe pas. C'est simplement une petite conscience qui s'éveille, toi, qui essaye de comprendre son état, si tu veux, mais bon, c'est pas plus que ça, quoi. Elle ne se voit même pas, elle s'est jamais vue adulte, par exemple. Donc et pourquoi autant de nature, justement? Ah, c'est pour faire le parallèle avec la mort. La vie, la mort, la nature, d'accord, le rien. Bon. Mm-hmm. C'est juste pour. C'est presque juste pour dire. C'est bête de partir. Mm-hmm. Même si c'est comme ça et qu'on n'y peut rien. Mm-hmm. Voilà. Ça a été votre représentation de la vie, quoi, dans ce film. Oui, c'est ça. Bah, je le fais en montrant cette nature, tu vois, très, très, très vive, mm-hmm, tu vois, avec des couleurs très, très éclatantes, quoi. Mm-hmm. Puis il y a aussi la couleur rouge qui est récurrente dans votre film, c'est la couleur du sang, parce qu'il y a la bougie, oui, et le cerf. Mmh, tout à fait, bon, c'est des clins d'œil qui reviennent par touche comme ça, oui, tout à fait. Mmh. Et souvent dans le film, l'écran il est divisé en trois parties. Mmh. Enfin, pourquoi vous avez voulu faire ces trois parties-là? J'ai pas de réponse. Ça ne justifie pas plus que ça. D'accord. Voilà. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Hein? Il y a des libertés de. Oui, oui, non, mais après, de toute façon, ce qui est étrange, c'est que, bon, j'ai pas fait beaucoup de films, hein, mais les films que je l'ai fait, de toute façon, c'est valable pour n'importe qui d'ailleurs, mais à chaque fois que j'avais des retours, eh bien, les gens me disaient: oh, puis t'as voulu faire ça. Et si tu veux, les gens voient des choses que j'y ai pas forcément mis. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, que les gens se font leurs films aussi en fonction de leur possibilité à comprendre les choses. Tu vois, par exemple, le film You in Your Life sur le jeu de télé-réalité où quelqu'un doit tuer l'autre sous l'œil des caméras, si tu veux, je l'ai montré, enfin, il a été montré avec, dans une classe de philo à New York, tu vois, et j'ai eu des retours, je ne m'y attendais pas du tout, tu vois, parce que ils ont vu des choses que j'y avais pas réellement mis, ou alors, je les avais mis, mais sans trop savoir, tu vois. Okay, oui. Donc, voilà, je ne suis pas responsable de tout, hein. Des fois, les choses se font comme ça.
Et le cercle noir que vous avez, enfin, c'est un motif récurrent. Ça s'est fait exprès ou ouais. Ça représente plus ou moins. Des fois, je me dis, tiens, ça fait joli. Esthétique. Mais non, mais le trou noir, en fait, cette espèce de soleil noir qu'on voit à un moment donné, effectivement, c'est le rappel avec le trou noir du cosmos. Ouais. Voilà. C'est comme si, en fait, le trou noir venait sur Terre, si tu veux, et qu'on avait le même phénomène sur Terre, mais pas ce trou noir, mais autre chose, quoi. Tu vois, c'est-à-dire la mort de l'individu. Voilà. Donc ça, c'est des clins d'œil comme ça, mais... À un moment, enfin, on voit, comment dire, la mort qui tient un bébé, et en même temps, il y a la femme qui parle, qui dit « ça, ça va agir ». Et on voit le bébé à côté. Oui. C'est, enfin, moi, personnellement, j'avais l'impression que c'est comme si on prenait... Enfin, le corps de la femme, il était inactif. Et donc, c'est la même chose qu'un bébé, ça agit. Enfin, vous, votre point de vue là-dessus, c'est quoi le corps, enfin, ça représente quoi pour vous? Donc, tu rentres dans la complexité. mais je te dirais, en fait, le bébé, il apparaît simplement pour être un... pour rappeler la vie et pour être un clin d'œil au texte. Donc, elle parle de vagissement parce que, bon, comme elle est... Enfin, l'autre est dans le coma, si tu veux, de temps en temps, elle fait des bruits, voilà. Et donc, si tu veux, c'est pour rappeler à la vie, à la naissance, tu vois, où le bébé, au départ, ne fait que vagir, tu vois, parce qu'il n'est pas encore, n'ayant pas de conscience développée, si tu veux, c'est beaucoup plus un légume, au départ, qu'un être. Être, il deviendra, et si tu veux, voilà. Pourquoi parler de l'euthanasie? Oui, comment? Pourquoi parler de l'euthanasie? Parce que j'ai envie, c'est un sujet d'actualité, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment, donc je prends parti. Parce que là, l'euthanasie, elle paraît comme, de façon lugubre, parce que la vie paraît géniale à côté, et la mort est horrible. Et l'euthanasie, ça emmène du coup vers la mort. Ah, attends, je dis pas que la mort est horrible dans le film. La mort est lourde, elle danse bien. mais je dis pas que la mort est horrible dans le film. Parce que... je dis que la mort est inévitable. Oui, c'est sûr. C'est pas pareil. Et ça, c'est, je veux dire, en tant qu'être humain, je veux dire, accepter notre finitude. Enfin, pour moi, je suis un cartésien, je suis pas un croyant, donc je dis mon avis. Hein, je veux dire, voilà. Je me détermine. Vous regrettez justement qu'on n'ait toujours pas. C'est vrai que ça fait souvent polémique régulièrement, mais à chaque fois qu'on a une personne qui met fin à ses jours parce qu'elle est malade ou des choses comme ça, mais on n'a toujours pas de loi autorisant justement des cas comme ça, est-ce que vous regrettez cette position? Absolument. Moi, je suis pour l'euthanasie. J'aimerais qu'en France, ça avance beaucoup plus vite, c'est sûr. Absolument. Moi, je fais le film pour appuyer cette démarche-là, absolument. Oui. C'est vrai que parallèlement, vous montrez vraiment une vie... merveilleuse, de la nature, quelque chose de très attirant comme ça, donc ça pourrait amener à penser que vous pensez ah non, bah j'espère pas qu'au contraire peut-être que ça vaut le coup d'attendre pour, bon là on est à un stade très avancé, elle est devenue adulte alors qu'elle était petite fille quand elle est tombée dans le coma, mais que ça vaut peut-être le coup d'essayer de revenir vers là, de faire le chemin du ciel vers la terre justement. Oui, mais ça c'est pas comme ça que ça se passe, puisque si tu veux, il y a la vie. Non mais après, je veux dire, moi, je suis pas en train de parler, j'ai pas envie de parler de religion. Ah non. Parce que c'est un autre sujet, bien que ça m'intéresse énormément. Je ferai un film là-dessus. Mais là, c'est pas le sujet. Là, dans le film, en fait, effectivement, je veux dire, on dit la vie est merveilleuse. Bon, certes. Quoique, pour certains, elle est pas si merveilleuse que ça. Mais bon, la vie est belle et personne n'a envie de mourir. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a envie... de vivre dans le coma toute sa vie. Parce que c'est ça que le film montre aussi. Le film montre que c'est quand même glauque de vivre dans le coma toute sa vie. On dit quand même que cette petite fille est tombée dans le coma, petite fille, et qu'elle n'a pas grandi, je veux dire, tu vois, qu'elle a grandi dans son lit. Donc, personne ne peut penser que c'est une vie rêvée. Et ben, ce dilemme, c'est ce que j'ai voulu exprimer. C'est pas facile de vouloir en finir. Et évidemment, on a des regrets. D'accord.
Moi, tout ce que j'espère, c'est ne pas avoir le temps de me poser la question. Oui, tu vois, mourir dans mon sommeil, tu vois, ça m'irait très bien. Le rêve de toi. Se poser la question, c'est terrible, quoi, quand même. Tu vois. Est-ce que je dois en finir maintenant, tout de suite, ou dans une heure, ou la semaine prochaine? Bon, c'est quand même... c'est dur, ça. À ce sujet, je trouve qu'on se pose plus la question pour... pour les faits divers qu'on voit, enfin pour les faits divers qu'on voit, enfin aux infos, quoi. C'est parce qu'on a le droit de décider à la place des gens. J'avais lu l'histoire de Vincent Lambert, enfin c'est un livre qui m'a enfin bouleversé, parce que c'est forcément on a envie de lui accorder son droit de mourir, et ça, on sait qu'il jamais sa vie s'améliorera, il sera toute sa vie alité et tout ça, et c'est à travers ces faits là qu'on vraiment on prend position, je trouve. Bah oui, tout à fait. De toute façon, à mon avis, il y a deux choses différentes aussi. Il y a la mort et puis la souffrance. Oui. Parce que faut pas, même si ça va de pair bien souvent, c'est deux choses différentes, quoi. Le fait de ne plus exister, par exemple, et le fait de souffrir, c'est deux choses différentes. Oui, donc, si tu veux. Contraindre quelqu'un, je veux dire, à vivre dans un certain état, tu vois, dans un état de souffrance, c'est quand même, c'est comparable à quoi? À de la torture? Ben, ça peut être comparable à de la torture. Hein. Ouais, voilà. Donc, il vaudrait mieux éviter. Justement, c'est subjectif. À partir de quel moment la souffrance est telle qu'on va en finir, c'est ça? Tout à fait. Que la personne va en finir. Si tu veux, tu sais, par exemple, dans les gens qui se réclament du droit à l'euthanasie, etc., ces gens-là signent des papiers. Ils signent des papiers en disant je suis conscient, j'ai toute ma tête et je ne veux pas que ça se passe comme ça pour moi. Ils ont ce papier-là, donc ils sont en accord avec eux-mêmes, tu vois. Le problème, il se pose plus pour des personnes qui sont alitées, enfin qui peuvent plus s'exprimer, plus signer. C'est là où on se dit, à qui prend la décision, la famille, mais à quel moment est-ce qu'on peut leur autoriser ce droit? Oui, tout à fait. Alors, certains peuvent quand même s'exprimer, hein, avec les yeux, etc., donner leur accord, quand même. Hein. Mais c'est pas le cas de votre fille. Votre fille dans le film. Oui, c'est vrai. Mais... Ouais, absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi. Si tu veux, alors si tu veux, dans le film, on fait dire à la petite fille, mais bon, c'est vrai que elle ne signe pas de papier, quoi. Effectivement, elle réclame. Elle réclame, mais si tu veux, moi ce que j'ai voulu dire aussi là-dedans, c'est que elle le réclame, et qui voudrait d'une vie passée comme ça? Voilà, il suffit simplement d'imaginer cette vie. Normalement, les gens qui sont dans le coma, bon, on ne sait pas s'ils entendent, s'ils peuvent réfléchir, si... Imaginez, ça serait totalement horrible s'ils pouvaient avoir un semblant de conscience. Hein? Ce semblant de conscience, on lui donne dans le film. Pour donner encore plus... ce côté horrible, tu vois, elle peut penser, mais elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas interagir avec son environnement. Donc ça a un côté totalement insensé. Qui pourrait imaginer avoir une vie comme ça? Bon, alors, quand à la fin la petite fille réclame la mort, on ne peut que lui donner la mort. Hein? Donc, si tu veux, j'insiste sur ça pour dire que les gens qui ne veulent pas, par exemple, donner la mort en disant « Allez, ça va, allez, pourquoi tu te plains comme ça ?» Quand même, voilà. Tu vois. Bon, en montrant l'horreur de cette femme qui ne peut absolument pas interagir avec son environnement, mais en la faisant parler quand même, je pense que cette personne-là ne peut que demander la mort. Voilà, c'est tout. Donc vous pensez que les gens qui sont inconscients, enfin sont conscients de leur inconscience, en fait? J'en sais absolument rien. Et si c'est le cas, franchement, je les plains. Oui, ça suffit. Voilà. Et j'espère pas pour eux. Horrible.
Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai voulu souligner l'horreur pour dire donnez-leur la mort, bordel, et qu'on en finisse. Oui, mais quand on voit justement ces femmes qui se réveillent, on se dit attendre un peu plus, peut-être que ça va venir, peut-être qu'ils vont se réveiller, vous voyez. Oui, oui. Justement. Tout et à du fait. Coup, il y a, c'est complexe, effectivement, pour des personnes comme la jeune femme dans le film, effectivement, on peut que lui donner la mort, c'est ce qu'elle demande. Oui. Mais pour des gens qui ne peuvent pas communiquer, justement, on se dit peut-être que ça peut évoluer ou peut-être pas. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça peut durer très longtemps. Bah, bien sûr. En attendant, la vie est super pas marrante. Peut-on appeler ça une vie d'ailleurs? Alors, bon, qui décide, comment on décide? C'est pas facile, hein, mais. Ça mérite qu'on en parle en tout cas. Oui, voilà, de toute façon, si je fais le film, c'est pour aussi créer le débat. Hein. C'est pas évident d'imaginer la souffrance de l'autre aussi. Hein. Mais bon, se mettre à la place de ces gens-là, c'est un minimum, quoi. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup dans l'euthanasie, il y a beaucoup de familles, par exemple, qui sont simplement contre parce qu'ils n'ont pas envie de voir l'autre disparaître. De lâcher prise, justement. Et ça, est-ce que c'est tolérable, quoi, tu vois? Je pense qu'il sous prétexte de garder l'autre. Certains courage pour mettre fin, pour laisser partir. Ouais, c'est pas très évident. De toute façon, tu sais, je veux dire, les gens qui laissent partir leurs proches de cette façon-là, il faut pas les imaginer sans cœur. Hein. Ah, bien sûr que non. Bien au contraire. Tu vois, sans plein de courage, c'est bien au contraire. Voilà quoi, c'est difficile. Ça va pas être facile à prendre comme décision. Difficile. C'est sûr. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui pousse à créer, à faire un film pour parler d'un sujet? C'est qu'on a beaucoup de choses à dire, c'est qu'on a un message à transmettre, c'est qu'on a envie de... Est-ce qu'on crée pour soi? Ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi toujours en arrière-plan le public qui va recevoir le film et qui va s'en emparer et en faire autre chose que ce que le réalisateur a vu. Donc, quelles sont les motivations? Il y a trois choses qui sont importantes pour moi, c'est être au monde, apprendre et transmettre. Et franchement, si je suis là sur Terre, c'est uniquement pour faire ces trois choses-là. Donc le cinéma, c'est un moyen comme un autre de faire tout ça. Si tu veux, chacun conçoit sa vie comme il veut, comme il peut. Moi, je la conçois uniquement dans un but apprendre pour transmettre aux autres. Voilà. Donc, je vais passer ma vie à apprendre et à transmettre. Mais tu pourrais te contenter d'être prof. Oui, mais même prof, si tu veux, même prof, c'est ça, tu vois. Même prof, il faut être devant les élèves, il faut avoir appris, et puis il faut transmettre. Donc, de toute façon, même oui, tu veux dire se contenter d'être prof, oui. Moi, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et si tu veux, dans le fait d'apprendre, il y a cette envie qui naît. Voilà, plus tu apprends, plus ça te donne envie de faire les choses. Et donc, y a plein de choses à apprendre, voilà, plein de choses à connaître, voilà. Mais bon, moi, je suis quelqu'un d'assez multidisciplinaire. Hein, bon, vous avez peut-être vu mon site, hein, donc j'ai fait plein de choses, hein, de la peinture, de la musique, etc. Donc tout m'intéresse, absolument tout. Donc je ne vais pas m'arrêter, puisque tout m'intéresse. Donc si un jour je peux faire un opéra, je ferai un opéra, parce que j'ai envie, voilà. Non mais je veux dire, j'ai très envie de faire un opéra. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'opéra contemporain. Donc voilà, j'ai ça en tête depuis 10 ans. Un jour, quand j'aurai le temps, je m'y mettrai. Voilà, parce que j'aime ça. Mais même la politique m'intéresse. Ouais, mais j'aime.
voilà, être dans la cité et puis participer à son élaboration, je trouve ça essentiel. Donc voilà, on n'est pas là, pour moi, on n'est pas là sur Terre pour jouir uniquement. On est là pour construire. Donc pour construire, voilà. Donc, j'espère mettre ma pierre en tout cas, quoi. Voilà, surtout ça. Et comment vous en êtes arrivé à faire du cinéma finalement? Bah, comme je te le disais juste à l'instant, moi je suis assez multidisciplinaire. J'ai commencé par être illustrateur. Donc déjà, j'avais un petit côté graphique. Après, j'ai fait de la musique pendant très longtemps. Puis après, je me suis mis à écrire. Alors, si tu veux, je me retrouve au cinéma, mais le cinéma, ça regroupe tout ça. Ça regroupe l'écriture, ça regroupe le côté esthétique. Graphique et puis la musique quoi qui est présent dans le cinéma si tu veux. Donc le cinéma regroupe tout ce que j'ai fait avant séparément. Donc je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. Voilà, et j'essaie d'élargir le bocal. Sauf que contrairement à une peinture, on est seul devant une toile, par exemple. Le métier de réalisateur, c'est aussi encadrer une équipe, diriger une équipe multidisciplinaire. Oui, oui, comment, tout à fait. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que... Alors, ça, tu ne l'as pas trop dans la peinture, tu ne l'as pas trop dans l'écriture, quoique on peut écrire à plusieurs, mais je l'ai quand même eu dans la musique, parce que la musique, c'est souvent une histoire de groupe. Mm-hmm. Et donc, là, c'est un peu pareil, il faut travailler à plusieurs. Mm-hmm. Bon, le cinéma, c'est encore plus à plusieurs. Enfin, tout dépend des projets, hein, mais bon, c'est vrai que sur un court-métrage, on peut être peu, mais sur un long, bon, tout de suite, on dépasse la dizaine, quoi, donc effectivement. Mais bon, ça, ça m'intéresse aussi, ça, travailler avec d'autres artistes, et puis faire des choses plus grandes que ce que tu pourrais faire tout seul. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis, ça rejoint quelque part un peu la politique aussi, parce que arriver à travailler avec les gens, bah, c'est mettre en place des systèmes qui font que ça fonctionne à plusieurs, quoi. Et donc, ça m'intéresse aussi. Parce que j'imagine, toi, tu arrives avec ta vision d'une scène ou de scène. Les acteurs, les techniciens, tout le monde met la main à la pâte et arrive avec ses propres idées. Tu fais la synthèse de tout ça et c'est dans une discussion, dans un échange. Ou c'est plus dirigiste, voilà, c'est... Alors, ça se passe pas réellement comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée claire, très claire, qui peut bouger. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas... pour moi, l'idéal n'existe pas vraiment. Donc, je n'ai pas une vision. Cette vision, elle peut changer. Donc, puis heureusement d'ailleurs, parce que dans le cinéma, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Il faut être très très réactif, quelque part assez flexible. Donc même par rapport à la création, quand quelque chose se passe, eh bien, on doit se dire, ah ben là, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu, donc tout de suite, on réagit et on part vers autre chose. Donc, quelque part, la création, elle se modifie. Et ça, je l'accepte très bien, et c'est quelque chose que j'aime assez, d'ailleurs, hein, dans le cinéma, les imprévus comme ça. Maintenant, au niveau de la création, moi, je n'essaie pas d'imposer mon point de vue. Je cherche des gens avec qui je peux travailler et qui ont mon point de vue. Donc, j'impose rien à personne. J'essaie de trouver des gens qui ont le même horizon que moi. Bon, merci. Merci à vous. Merci à vous pour votre toutes ces questions, tout ce travail.